baninga tangwa kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini Abalobinini. Veut dire tolobé la vie. Papi gène. Papi gène tolobé la vie. Papi gène tolobé la vie. Téléspectateurs d'Afrique Télévision, c'est un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours nombreux au rendez-vous de l'actualité et de l'information. Bienvenue dans cette émission. Nous aurons à discuter autour de l'actualité politique de l'heure, le fait politique majeur qui s'est passé en République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes dans les comptes de ce magazine entretien, spécialement accueillis par nos confrères et amis des CMBDJ, que nous saluons en passant. Et vous le savez, pour parler de l'actualité politique, nous recevons aujourd'hui le président Gabriel Moka. Il est candidat à l'élection présidentielle de décembre passé, où il n'a pas pu remporter les élections. Gabriel Moka aujourd'hui continue sa lutte politique. Nous aurons à parler de lui et de tout, au sort de rien. Bienvenue, Gabriel Moka. Très bien, merci. Bonsoir ou bonjour. Vous faites la une de l'actualité depuis hier. Gabriel Moka, selon les informations, il y a même une action en justice qui serait ouverte contre vous au niveau du parquet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent contre cette petite affaire. Il y a des télévisions qui montrent comment les gens se font justice à ma tête. Les bangas, on brûle les gens, on tue. On n'a jamais arrêté ces gens. Mais mon cas est exceptionnel. Hein. Comment expliquer que la cour de cassation m'a restitué des maisons? Les autorités me réhabiliter là où j'étais sur l'avenue Lukusa. La maison qu'on m'avait arrachée par la police pendant la campagne électorale. On m'a donné 25 policiers, mais on a amené d'autres policiers pour les contraindre et ils ont occupé la maison. Mais depuis janvier jusqu'à avant-hier, je n'avais jamais vu d'autres civils ou déjà venir revendiquer les maisons. Il n'y a que moi-même qui revendique. Alors, on a posté les véhicules en février dans ma porte. Deux jours après la prestation de serment du nouveau président aîné. On a placé d'autres policiers sur Orgamane pour venir faire l'intervention. On nous a chassés à l'intérieur. On a chassé mon fils à 2h du matin qui habitait là, dans ma parcelle. Alors, je vois, on m'appelle par des autorités, on a discuté, bon, on a appelé le général Ruyoyo, il est là. On a dit, ah, restitue à mon cas, il a libéré la maison. Il a obéi, il a libéré la maison, il a pris ses policiers le lundi. Il est parti avec ses policiers, la parcelle est laissée vide. Moi, je suis arrivé avec mes gens, ils sont rentrés là-bas. Mes sentinelles ont commencé à faire l'entretien de la parcelle. Les mardis passés ici, à 6h du matin, on a le nom d'un certain Sélémani, frère à Joseph Kabila. Et des agents de la banque Raubank. Et ils veulent vendre cette parcelle à Raubank pour faire les parkings. Parce que Raubank a les difficultés de parking. Mais la parcelle visée, c'est la mienne. Ils financent les autorités, les policiers, les militaires. Ils viennent avec des jupes. À tout moment, là, ça devient un chat de bataille dans cette parcelle. Mais si vous voulez acheter ça, venez chez moi discuter avec moi. 5 millions, 6 millions, 7 millions de dollars. Si on peut s'attendre, oui, on peut s'attendre. Mais ça, c'est mon problème. Les matins, ces gens-là sont arrivés, des personnes. Oh, les peintres, les maçons, les jardiniers, ils ont amené tout, hein, les machettes, les roues et tout ça. Ils ont toqué à la porte, ils sont entrés directement, à violation des domiciles. C'est l'infraction que les gens des réseaux sociaux oublient. C'est une infraction. Quand vous venez chez quelqu'un avec des machettes, vous êtes venus pour nous tuer. Alors, l'accrochage avec mes hommes, ils ont dit, nous sommes venus, ils nous ont envoyés par une société, si c'est quelle société là, vous devez tout sortir, nous allons commencer à faire les travaux. Ils disent, la maison est restée 6 mois, pourquoi vous n'êtes pas venu faire les travaux?
moi qui a récupéré la parcelle et vous venez maintenant pour faire des travaux dans sa parcelle. Il y a eu des attractions, il y a eu des prises de bec entre les deux parties. On m'a appelé, je suis arrivé le mardi là, et j'ai pris ce type, j'ai dit, donc vous ne quittez pas. Moi, 20 ans, j'ai sauté pleurer dans les médias, mes maisons. Maintenant, on me restitue les maisons par les nouvelles autorités. Vous venez maintenant archaïquement, comme vous en avez l'habitude, citer le nom d'un certain cérémonie des frères de Joseph Kabila. Mais c'est Joseph Kabila qui avait demandé qu'on me restitue les maisons. J'ai les documents, j'ai remis aux nouvelles autorités. Regardez, Joseph Kabila a écrit ceci, ces gens ont écrit ceci. Le ministre de la Justice a écrit, on m'a restitué les maisons. Le tribunal m'a installé. Ces gens ont obtenu le titre de propriété quand moi j'étais en prison en violation de l'article 231 de la loi foncière. Lorsque des parties sont devant le cours des tribunaux, même si vous avez gagné un arrêt de la cour d'appel, mais tant que cet arrêt n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, le conservateur n'est pas appelé, admis à établir un titre au nouveau venu. Décidément, vous maîtrisez très bien. Je dois maîtriser, mais je suis un intellectuel, je suis une personne à quoi politique. Pourquoi vous dites fait justice? Je ne me suis pas fait justice, il faut me suivre. Ne me coupez pas, donnez-moi quelques détails. Allez-y. J'ai appelé la police. Chose que vous ne voulez pas parler. Chose que les réseaux sociaux ne veulent pas parler. Nous l'avons pris, nous l'avons bloqué parce qu'ils voulaient fuir. On les a bloqués comme ça par terre. La police est arrivée, la police était là. Vous pouvez aller interviewer la police. On les a pris, on les a amenés là-bas. Dans ma voiture avec la police jusque là. On m'a entendu et moi j'ai fait une plainte écrite sur le champ. Et j'ai laissé mon fils en train de continuer. Moi je suis parti, la police a dit vous pouvez partir. Ils ont violé notre domicile. Dans le cadre de légitime de défense, mes hommes se sont défendus. Mais comme on m'a vu là-bas, oh, le nom c'est moi qui a partout. Mais je suis une personnalité politique. À ne pas négliger. Je ne vais pas regretter, c'est comme ça. Hein? Un homme politique démourant, qui rend justice, qui rend service à cette nation, même si vous, la nation, certaines personnes ne sont pas reconnaissantes envers moi. Mais ils savent que j'ai fait trop de prisons à cause de la politique congolaise, à cause de la défense des intérêts de la population. Mais c'est ma parcelle. Pourquoi venir toi là-bas dans cette parcelle pour pouvoir prendre ça de force un jour seulement après que j'ai récupéré cette parcelle? Justement, lorsque vous dites que vos maisons vous ont été restituées, est-ce que ce jugement a été exécuté en bonne et due forme? La cour de justice. L'arrêt de la Cour suprême de justice, vous voulez avoir discuté? Qui ne connaît pas ça? Qui n'a pas vu ça? Qui ne connaît pas ça? Les autorités du pays savent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'ils veulent vendre cet terrain à la grande banque, on utilise le nom du frère du président de la République. On utilise le nom des généraux et tout ça. Mais moi, je ne suis pas général. Mais les gens doivent savoir. Ceux qui nomment les généraux, ce sont les politiciens. Comme moi. Ceux qui nomment les magistrats, ce sont. Félix, tu sais que j'étais avec lui dans l'opposition. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il peut nommer, il peut révoquer tout ça. Il faut faire attention quand vous malmenez les hommes politiques que nous sommes. On nous arrête. Moi, je n'ai jamais gardé les dents. Mais je viens de récupérer des immeubles. Mais pourquoi revenir 20 ans après? Pourquoi vous venir? Vous pouvez m'arracher par des minables types. Ils se sont battus avec mes hommes. Je suis venu, je les ai bloqués. Vous avez je les ai amenés à la police. Mais où est le problème? Je pouvais même les tuer. Vous avez été assez. Est-ce que vous avez fait appel des droits? Vous connaissez ce qu'on appelle légitime défense et violation de domicile. On peut te tuer, on peut qu'il y ait zéro. Mais ça, si, c'est à défendre. Demandez à ton avocat. Demandez à ton avocat, monsieur le journaliste. Est-ce que moi, je suis entré chez vous par autorisation? La fille m'a conduit jusqu'à. Mais si je viens de moi-même à tirer ça, après vous créer des problèmes. Même si vous me blessez, ça va faire quoi? Donc vous êtes. Vous n'êtes pas fait justice, c'est pas vous. Vous êtes dans un état de légitime défense. Les gens sont entrés, à peine que j'ai récupéré la maison, un jour seulement. Le lendemain, des cicatrices sont encore là. D'autres groupes viennent, non, nous sommes venus récupérer ça. Ah, dit, n'a pas pour maillot. Va dire à ces gens qui me cherchent. Et puis en plus, le général Kassongo a demandé à communication les dossiers auprès de la police. Moi, j'ai déposé plainte.
justement. Mais maintenant, quand il faut des bruits, bah, au carré, bah, on comprend qu'il y a beaucoup de passion, et de colère, et vraiment, on ne va pas faire l'apologie de la violence, ni... Est-ce que vous avez compris ce que moi j'ai dit ici? Si j'entre ici chez vous, à violation de votre domicile, donc vous allez me laisser parce que c'est moi qui a, je vais vous taper ici, je prends vos affaires, et pour faire la... Vous allez faire, si vous me maîtrisez, c'est l'apologie. C'est ce que je dis, Gabriel Maudit. Nous avons maîtrisé les assassins chez nous. Justement, la petite dose, c'est celle de dire, Nakogoma. C'est sur ce point-là. Mais j'étais avec toi la télévision, est-ce qu'il a voulu? Est-ce que je suis allé sur eux? Qui j'étais entre mes mains, est-ce que j'ai tué quelqu'un? Justement, je voulais qu'on... Je préviens maintenant les autres qui envisagent d'abord de venir faire de telles aventures. Quand la justice rend à quelqu'un une histoire, ne venez pas la mettre. J'ai des cicatrices, j'ai des remords, j'ai perdu mon premier fils. Sans argent, à l'hôpital, mon fils est décédé. Mon fils aujourd'hui devait avoir 41 ans, mon premier fils. À cause de ces maisons. C'est lui qui avait transporté mes histoires là-bas quand on nous a chassé à la Gombe là-bas pour aller déposer là où je suis au garage. Moi, je suis un exportateur de café. Tout mon argent, j'ai acheté plus de 8 immeubles à la Gombe. Tu sais combien coûte un immeuble à la Gombe? Mais j'ai mis mon argent là-bas. Ma société presque est pillée par moi pour acheter ces biens. Et maintenant, les retours sont arrivés, ils ont pris ces biens. 20 ans après, je suis en train de crier, mais donnez-moi mes affaires, donnez-moi mon argent, donnez-moi mes maisons. Mais par une baguette magique, d'autres autorités arrivent, commencent à... Non, pas par une baguette magique, vous avez des acquaintances avec le président de la République. Non, c'est pas le problème, c'est la cour de cassation qui a cassé l'arrêt qui m'avait cassé cet état. Ce n'était pas possible sous le régime Kabila que vous puissiez facilement bénéficier de la réduction de tous vos biens. Non, attendez, monsieur le journaliste. Moi, je suis un homme juste, pas comme Jésus ni comme Dieu. Je suis juste comme les habitants de cette terre, pas à ça pour ça. Mais Kabila a donné des instructions comme il institue les maisons. Ce n'est pas parce qu'il est Kabila, il a créé trop de problèmes ici, il m'a beaucoup arrêté, mais de son petit côté, de bon côté, je ne peux pas le dire. Lors d'une négociation de Mongalema, et d'un cause a posé la question, Kabila a dit, moi qui a ramené les opposants ici, le gouvernement qui sortirait de ses assises doit nous remettre les maisons et son argent. Sami Badiba, le premier ministre, il m'a restitué les maisons et mon argent, avalisé par la cour de cassation. N'est-ce pas? Mais ce sont les intervenants, les tiers intervenants qui sont atteints dans cette maison. Le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur Ngoïka Sanzi, et il y a un autre type qui s'agrève derrière Némi, et tout ça, ce sont les hommes forts du régime qui m'ont mis les bateaux dans les roues. Je ne peux plus retourner chez M. Kabila. Kabila avait déjà donné son accord, et j'ai obtenu le jugement, l'arrêt et tout ça. Et maintenant, comment aujourd'hui, moi, je dois être un margoulin pour parler du mal de Kabila dans cette affaire? Non, jamais. Jamais. D'abord, ce n'est pas lui qui m'avait arraché les maisons. C'était la Fidel, à période de Laurent Désiré Kabila. Kabila est courrier, il a accepté de me restituer mon argent et mes immeubles. Maintenant, cette unité qui vient d'arriver, ils ont dit que c'était un petit problème et restituer. Maintenant, on insulte le chef de l'État, Tshisekedi. On nous insulte. Mais Tshisekedi est notre pouvoir. Vous oubliez que c'est lui le chef de l'État. Il est le chef suprême des armées. Il est le magistrat suprême. Il peut libérer les gens selon sa propre volonté. C'est ce que la Constitution lui a conféré. Mais maintenant, aujourd'hui, vous revenez encore d'autres individus sans qualité pour détruire ce que les autorités sont en train de s'aimer. C'est pas chez moi. Avec moi, c'est comme ça. Parce que le Facebook, c'est quoi? Le Facebook, c'est pour dramatiser les choses. Mais personne dans ce Facebook ne peut être juriste pour comprendre. Ces gens, ils sont en train de s'apparcer sans l'autorisation. Ils sont allés pour prendre ces travailleurs et les jeter dehors. Les travailleurs se sont défendus avec les présidents. Et là, vous me critiquez. Et s'ils étaient venus avec une arme pour nous tuer? C'est récemment comme ça. Ah, présentement, qu'il était un bon monsieur, il faisait ceci. Et c'est nous, vous allez constater. Mais ma femme et mes enfants, il faut rester comme ça. Mais je me suis défendu, j'ai bloqué le volet. Mais là, vous voulez m'amener dans quel monde? Vous êtes dans quel monde? Monde de Facebook. Ça, c'est de la sorcellerie Facebook. J'ai posé la question. Ce n'est qu'hier, quand j'ai répliqué, maintenant, oh, moi qui a raison. Oui, j'ai raison. Il veut vendre ma parcelle à Rao Bank.
Au lieu que Rambat puisse se traiter avec moi, Rambat m'a envoyé déjà, je dis non, je ne vais pas, je vais construire. À mon âge ici, qu'est-ce que je vais faire avec les biens matériels? J'ai 66 ans d'âge. J'ai besoin que ma femme, même si je ne suis pas là, reste bien, mes affaires restent bien. En guise de souvenir que les papas. Est-ce que moi, les grands de ces mondes qui sont aujourd'hui dans les cimetières, ils sont partis avec les biens matériels? Est-ce que moi, je vais partir avec les biens matériels? Je me contente du pain que toi tu peux me donner, je mange, ça c'est moi. Je me contente d'un petit lit que je dors. Je me contente si j'ai 110 dollars à poste, etc. Mais je ne me contente pas des biens que j'ai parce que moi je ne dors pas dans ces maisons. Mais pourquoi les gens veulent seulement me tuer à cause de ces maisons? Pourquoi les gens, ici il y a des buildings, des nouvelles maisons construites dans la ville de Kinshasa, à ne pas comparer avec ces bicotes? Mais les gens veulent toujours ces bicotes. Tu veux mon cas, arranger les ridiculiser dans les réseaux sociaux. Mais ce sont mes maisons que j'avais achetées avec mon argent auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Maintenant, c'est ce dossier maintenant. Il est précisément à quel niveau? Vous avez dit que vous aviez porté plainte au niveau de la police de la Gombe. Il me semble aussi qu'il y a une autre instruction qui est ouverte contre vous. C'est à quel niveau maintenant? Mais où est le problème? Vous êtes des avocats? Où est le problème? Parce que j'ai été le premier à saisir la police. Si vous ouvrez notre instruction, on va arrêter les gens qui sont venus en violation de notre parcelle. Vous croyez que moi je fais fouiller, même tout de suite, vous me convoquez, je viens. Je vais avec mes avocats, avec mes preuves. Ils sont entrés là-bas, pourquoi? Ils étaient invités, et les invités de qui? Ils sont venus pour nous tuer, ils sont venus pour nous arrêter, ils sont venus pour nous causer du tort. Monsieur le journaliste. Et ces gens-là, ils pouvaient mourir là-bas. C'est ça la loi, ne sous-estimez pas la loi. Quand vous pénétrez la parcelle d'autrui sans l'autorisation, je m'adresse à toute la population. Ne faites pas ça, que votre voisin y ait un problème, vous entrez jusqu'à chez le voisin, on peut te tuer là-bas. Entrez dans une parcelle par autorisation. Entrez dans une télévision, dans une maison d'autrui par autorisation. Mais ne venez pas avec des sols, des bêches, des houes, tout ça, et des couleurs. Nous voulons faire les travaux et vous vous sortez. Ces gens que vous faites sortir, ils étaient là, ils ont été chassés par la police. Ils ont été réhabilités un jour avant par la police. Des individus sans qualité, vous venez maintenant pour les faire sortir. Vous savez ce que ça peut jaillir comme les intestins? Soyez journaliste, soyez un humain et regardez les lois de la République. Et écoutez ce que je dis, deux choses. Violation de domicile. Légitime défense. Parce que je ne connais pas la fonction de la personne qui est pénétrée de la parcelle. Et la personne est armée, la personne avec une machette. La police a saisi la machette et tout ce qu'ils avaient amené. Ça y est, à la police de la Gombe. Mais vous venez maintenant pour me tuer, moi. Et moi, je vais me laisser tuer comme ça, comme une chèvre. Mais je peux te tuer les premiers. Il faut faire attention dans la vie de pénétrer. Moi, je n'entre pas dans les parcelles d'autrui comme ça. Les parquets qui m'avaient vendu les maisons, les parquets là-bas, qui étaient les parquets? Si on va vous donner raison, qui êtes-vous? Des inconnus. Hein? Ils ont violé la loi pendant que nous étions avec l'Union des Bailleurs Congolaises au procès à la Cour de cassation. Comment eux, ils doivent aller acheter les maisons auxquelles nous, on s'est disputé? Même si tu as de l'argent, donc l'argent t'embête. Quelqu'un qui a marié sa femme, parce que toi tu as beaucoup d'argent, tu veux aussi verser l'argent pour prendre cette femme. Parce que la personne qui a marié la femme est pauvre. Mais le pauvre peut t'éliminer aussi, pour qu'il puisse garder sa femme. Dis, sois quand même honnête, moi je ne viens pas dans des procès. Pourquoi je gagne des procès? Parce que je viens dans des procès avec des choses réelles. Pas avec des aventures. Moi je n'ai jamais fait des aventures. Si vous traitez avec moi, faites attention. C'est-à-dire que vous devez être intelligent. Parce que moi, je suis intelligent. J'aime quoi. Si je sais que cette affaire-là, en faisant, j'ai tort, je ne le ferai jamais. Même dans la politique, on fait des meetings où on va aller faire des marches et tout ça. Si je trouve que c'est une marche qui est non fondée, vous ne me verrez pas. Je dis, oh, moi, quel corrompu. C'est vrai, je ne peux pas venir tomber si le coup d'une balle d'un policier. Bêtement, pendant que je sais que nous n'avons pas raison. Mais si nous avons raison, vous me voyez toujours devant. Je suis un combattant. Donc, dans cette affaire, ça c'est que je n'ai pas tort. Et je n'ai peur de aucun policier. Le général Kassom, je l'ai appelé. Je dis, vous voulez déposer? Je dis, non, j'ai fait un communiqué. Mais je vous ai lavé. Vous n'avez pas tapé les policiers. C'est ça qui était grave. On avait écrit que j'ai tapé les policiers. Mais le général Kassom, mais la police qui a alimenté. Vous êtes accusé d'avoir tapé sur... Bon, la police a démenti l'information de taper les policiers. C'est pourquoi les policiers même ils sont venus arrêter ces gens. Bon, dis-moi un peu, vous êtes journaliste. Dis-moi.
La police a arrêté ces gens. Moi, je suis là libre. Quand on les a identifiés, il n'y avait aucun policier. Les généraux, quand ils sont venus, m'ont confirmé qu'il n'y avait pas un policier dans son communiqué. Alors, maintenant, il a trouvé qu'il y a eu des individus qui sont pénétrés dans la parcelle sans notre autorisation. Et là, vous leur donnez raison. Parce que c'est moi-même qui a donc que je ne sais pas avoir le tort. Vous êtes ici au travail, ta femme et les enfants. Quelqu'un entre là-bas, c'est toi, jusque dans la chambre à coucher, à tête de taper ta femme et les enfants. Donc vous serez très content. Oh, taper ma femme, taper mes enfants, ça ne fait rien. Et ta belle famille va te trouver, non. Si j'ai une belle famille, je récupère ma fille. Ça, c'était un irresponsable, c'est mon kilo. Il est un irresponsable. Dis, on s'est défendu, on a défendu la parcelle. Au plus haut niveau de la République, nous avons gagné. Non, soyez des hommes justes. Je ne vous condamne pas, vous. Je vous ai seulement condamné parce que votre intelligence a diffusé des histoires sans me consulter. Mais nous sommes en train de restituer. Je vais vous dire ceci. C'est là que vous êtes sur ces plateaux de la Belle Moka pour donner votre version. J'ai donné ma version. C'est aux hommes. Je pense qu'au moins, équilibre est fait. C'est aux hommes de droit de suivre ce que j'ai dit. On m'a restitué les maisons. D'autres individus sont venus s'introduire dans la parcelle avec des machettes, les bateaux, le houx, pour pouvoir tuer mes travailleurs qui étaient là. Alors que la maison a fait 6 mois avec la police, ces gens ne venaient pas. Mais nous avons vu les départs de la police. Suite à mes efforts, maintenant, ces gens viennent pour nous arracher les maisons. Nous sommes dans quel pays? Moi, je vais me battre avec les hommes forts. Mais toi, maintenant, tu viens me battre avec moi. Tu crois que moi, je suis faible? Je suis aussi fort. Alors, je vous ai pris jusqu'à la police. Maintenant, pourquoi vous criez pour les gens? Oh non, avec tout ça, il s'est fait justice. Moi, je ne me suis pas fait justice. On a attrapé le voleur qui voulait fuir. Mais lui, il veut partir. Nous, on va le maîtriser. J'ai appelé la police. Et on les a amenés là-bas et j'ai fait une plainte. Où est ma faute? Aujourd'hui, Gabriel Moka, on peut estimer finalement que l'état des droits s'installe au Congo. Ça va s'installer avec Félix. Ça, je le dis avec force. Vous pouvez danser le CIE, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, personne ne va vous arrêter. L'ancien système de l'ancien régime ne doit pas coller Félix. Félix est zéro arrestation, zéro tuerie, c'est-à-dire zéro mort, zéro haine. Vous ne pouvez pas féliciter être le chef de l'État. 1000 sourires. Approchable facilement par tout le monde. Ah, c'est puisque vous avez reçu. Non, avant qu'il me reçoive, il a reçu les musiciens, il a reçu les gens de théâtre, il a reçu tout le monde. Moi, il m'a appelé lui-même parce qu'il a vu de. Nous sommes bâtis dans ces matchs ici, Moka. Que Moka vienne comme ça, il voit, mais je l'ai fait sourire et puis l'affaire est libre. Il dit, l'homme politique, parce que je suis avec lui, j'étais avec son père dans l'opposition et lui. Mais quand même, il a eu un coup de 0 contre l'Ouganda. Des petits pays qui ne jouaient pas avec nous. Mais il faut qu'il trouve ses propres pères, ses propres amis de l'opposition pour lui donner une certaine humeur, pour l'encourager, l'appuyer, le faire sourire. Mais oui, il a souri, il a compris que bon, il faut les miens. Mais vous, si vous venez là-bas, c'est pour aller danser contre lui. Mais moi, je suis venu là-bas pour le faire sourire, pour oublier la défaite. Où est le problème? Gabriel Moka, les 30 juin, 49 ans, 59 ans plutôt d'indépendance de la République démocratique du Congo. Un mot, 49 ans, 59 ans d'âge, c'est beaucoup. D'où la République démocratique du Congo est venue, où nous sommes, et nous avons acquis la première alternance politique pacifique en RDC 59 ans après. Un commentaire en tant qu'acteur politique. Maintenant, je vais vous parler calmement. Allez-y. Ce n'est plus le problème des maisons. Maintenant, on rentre pour que le peuple comprenne réellement, n'est-ce pas? Exactement. 59 ans d'indépendance. Le mouvement avait dit, nous a donné l'indépendance politique et l'indépendance économique. Avec l'AFDEL, nous avons vendu l'indépendance économique et l'indépendance politique. Maintenant, avec Félix, on va retrouver l'indépendance politique et l'indépendance économique parce qu'il n'y aura plus de gens qui vont commencer à voler et à piller dans notre pays comme à part le passé. Mais, un constat malheureux, 59 ans, il y a eu 12 millions de morts de Congolaises et Congolais. Gratuitement, uniquement pour changer un régime, ce qui n'était pas bien. On avait tout le mécanisme voulu au niveau de la Conférence nationale souveraine pour faire partir Mobutu calmement. Et Mobutu était presque malade. Mais il y a eu autant de morts. Mais maintenant, il faut passer les plaies. Nous sommes en train de chercher avec douceur les passations de pouvoir,
C'est-à-dire que ça montre déjà que pendant les 5 ans, il n'y aura pas ce que nous avons connu. C'est-à-dire que les nouvelles autorités vont s'atteler à remettre la paix, la tranquillité, la sécurité dans notre pays. Pourquoi? Parce que dans les 5 ans, il n'y a pas eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a la haine qui s'est installée. Hein? Aujourd'hui, quand vous vous arrêtez quelque part, tout le monde sort pour vous demander l'argent. C'est comme si il y a une rébellion, un soulèvement qui se prépare. La pauvreté rend les gens de cette façon. Mais nous devons faire avec les nouvelles autorités pour bloquer cette pauvreté, donner du travail à notre population. Comment on peut donner du travail? Le Congo qui ça dégorge de tout. Nous avons l'eau, nous avons la brousse, nous avons tout. Moi, je suis un produit de la brousse. Je suis un opérateur économique, économique, exportateur de café, cacao et caoutchouc à la République démocratique du Congo. C'est ça qui a fait de moi pour m'acheter cette maison. Je ne m'intéressais pas des paiements de Kinshasa, mais j'étais payé par les transports des marchandises de l'intérieur à Kinshasa jusqu'à Matadi. Par des voies ferroviaires à Matadi, et la rétrocession des devises se faisait au niveau de la Banque centrale qui touchait sa commission, la banque. C'est ça qu'on devait faire. Nous ne pouvons pas seulement focaliser nos actions en train de demander l'argent, en train de demander, en train de chercher le pouvoir, non. Mais nous, il y a une possibilité. L'État fait mettre, là où il y a l'année, là où il y avait utilisé, vous pouvez créer la banque de l'agriculture au Congo. Tous les Congolais ont droit d'avoir les crédits. Avec ce crédit, c'est pas pour aller chercher des femmes avec. Ce crédit, c'est pour aller acheter des véhicules, aller maintenant des caterpillars et autres, commencer à faire la brousse. Vous serez comme les mouquins. Je suis là technicien à la matière. Vrai technicien à la matière qui avait la tête aux blancs dans ce pays. Tous les blancs qui faisaient le café ici, ils me craignaient parce que j'étais un homme correct. Alors, avec ça. C'est pas les ministères de l'agriculture. Non, je ne vise pas. Non, je vise les ministères de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Vice-premier ministre. Pourquoi? Parce que je vais mettre la paix et la tranquillité partout au Congo. Vous, lui, les autres, les mamans peuvent entrer en bourse et produire sans qu'elles soient violées, sans qu'elles soient égorgées. Je vais arrêter les gens là, les Toumi, les Koni là, les pasteurs là, les Ougandais là qui tuent les Congolais vers le Béni. Ma mission sera de l'arrêter et l'amener auprès de Félix. Je t'amène les Nevières vers qui a tué autant de Congolais vers le Béni. Voilà ma mission. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Avec ça au moins, il y a la paix. Moi-même, je serai le premier à produire le café à Beni, café à Arabica, l'exporter vers Mambasa, partir en Europe et les devises seront encaissées à la Banque centrale et l'État va toucher ses 18%. Voilà, j'ai cette intelligence pour faire tout ce que vous mettez là. Ce sont les gens, dans leur tête, ils n'ont pas la pratique. Ils n'ont pas la pratique. C'est pourquoi vous voyez tout le monde est en train de venir ici à Kinshasa. Kinshasa, maintenant, ils veulent quoi? La Gombe, commis de Kinshasa et autres. Mais or, si nous attelons à aller à l'intérieur, nous allons donner la force de notre gouvernement qui sera mis en place bientôt. Et ce gouvernement aura des devises dans les banques. Et ces devises vont pouvoir décourager les prix sur les marchés. Et nous allons baisser. C'est mon travail, je vais demander au président de la République, au gouvernement, baisser les prix de la douane. Comme ça, les marchandises vont pouvoir baisser aussi. Mais également, voilà. Certaines personnes estiment que 59 ans après, la République démocratique du Congo continue à souffrir d'une crise de légitimité de ses autorités. Aujourd'hui, nous avons récupéré le pouvoir. On dit que Félix n'est pas légitime. Oui, non, on ne prête pas sa femme à quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire tenir sa femme à une personne. Ta propre femme reste pour toi. Je lui dis, mais c'était ma femme pendant un mois, elle va retourner avec Marcel. Donc, Félix, on ne l'a pas fait tenir le pouvoir ni la femme d'autrui. Il a pris son pouvoir auprès de la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc, c'était un président. Quand vous voulez créer des problèmes, il a l'obligation d'appeler une force étrangère, d'appeler l'ONI et tout le monde pour vous arrêter, vous amener à la CFI. Donc, il est un président normal, un président élu, que personne ne peut. Parce que ceux qui les critiquent, ils n'ont pas pu présenter les preuves au niveau de la Cour constitutionnelle. N'ayant pas présenté les preuves, mais voici ce que dit la loi. Il y a dans un procès, il y a le fond et la forme. À la forme, on a débouté tout le monde pour deux choses. Un, tardivité des requêtes. Deuxièmement, il n'avait pas de preuves de bulletins. Comment on appelle ça? Des PV, il n'avait pas de preuves de PV, n'est-ce pas?
n'y a pas eu de présenter les preuves des PV, vous ne pouvez pas. C'est ça la forme. Dans un procès, peut-être on a raison, mais on peut être débouté par la forme. La forme n'est pas bonne. On a été débouté. Si c'est moi-même que je ferme ma bouche, je commence à préparer mon parti politique pour les échéances. Mais quand on veut un embrasement dans un pays, on peut danser, on peut tromper tout le monde. Mais vous avez raison, mais vous n'avez pas présenté cette raison au niveau de la CENI ou au niveau de la Cour constitutionnelle. Comment maintenant vous pouvez tuer les gens? Gabriel Moutien, 5 ans avant l'indépendance, il n'y aura pas de manifestation officielle, pas les défilés, mais par contre, il y aura une marche prévue par la coalition Lamouka. Félix, si tu sais que bien serré, faites la marche. Vous ne verrez pas un policier venir tuer, sauf si vous voulez le magasin, si vous voulez un embrasement, là la police peut vous neutraliser. Faites vos marches. Il n'y a pas un gouvernement mis à place. Le gouvernement va peut-être faire une messe ou ceci. On va vous regarder comment vous allez défiler. Nous allons rester à la maison, nous sommes des pouvoirs. Félix, ne comptez pas sur lui qui va arrêter X. Ne comptez pas. Je dis même aux gens qui font des bruits à l'étranger, entre autres, mon grand frère Honoré Manda, son groupe et tout. Revenez. Si vous avez commis des bavures, ce n'est pas avec Félix. Si vous avez eu peur de Joseph Kabila, ça c'est Joseph Kabila, n'est plus chef de l'État. Tous revenez ici, venez apporter vos pierres de contribution. Félix ne va arrêter personne. Personne ne sera arrêté. Venez ici, venez travailler. Si vous avez changé de nationalité Makayabo, descendez à l'aéroport, on va vous donner des papiers. C'est ça Dieu fait, non? Il a dit lui-même. Il a dit lui-même. Mais vous restez à l'étranger, vous commencez à faire des pics, à commencer à insulter les pouvoirs. Mais dis-moi, qui est arrêté? Le redoutable homme politique Moïse Katoum, qu'on voulait l'abattre, mais il est rentré ici. Mais il a empêché les sorties, oui, hein, mais ça, c'est pas lui. Il est empêché par Lamouka? Par qui? L'autorisation. Non. Le pays lui est favorable. Non, là, l'hôpital, ce sont les gens-là qui font des choses. On lui a donné la liberté. Mais qui a bloqué Moïse Katoum? C'est son propre groupe. Ils ont dit à Beni, Boutembo, à Goma, Bukavu, que si Félix descendait, si Moïse descendait, jetait les pieds. C'est Lamouka qui avait dit. Parce qu'ils ont des crises de leadership. Ce n'est pas des accusations de vertu. Comment? Mais c'est écrit et nous voyons. Maintenant, quand il avait dit à mon propre groupe, maintenant il y a crise de légitimité, de leadership entre. Et c'est ça, c'était un problème de Félix ou de Kamel ou de... Non, il n'y a rien à voir. Pas Nabato, faites ce que vous voulez. Faites les marches. Si vous tombez, Félix va vous envoyer l'ambulance. On vous prend à ses frais. C'est ça qu'il va faire. Si vous êtes blessé, il va venir lui-même. Vous êtes le type de la Mouka, Félix va venir jusque-là pour vous donner, apporter des médicaments et payer l'hôpital. On ne vous interdit pas. Si vous voulez danser jusqu'au grand matin, il peut vous apporter de l'eau vive. Il va vous apporter ceci, même des secrets. Prenez, dansez, c'est normal, c'est la démocratie. On a déjà arrêté qui? On a mis les menaces de la police contre moi. Est-ce que la police peut me gagner? Il ne peut pas me gagner parce que moi, je n'ai créé aucun problème. C'est sauté qui sont venus s'introduire par infraction dans ma parcelle. Et j'attends la plainte. J'attends, je me présente par le procureur. Le procureur, c'est un homme de loi. Je vais sortir par la grande porte. Ça, c'est une parenthèse. Mais pour ce qui est de l'indépendance, c'est un débat après. Nous avons connu les pays voisins, les limitrophes sont venus nous occuper. Les pays voisins sont en train de nous tuer. Les pays voisins sont devenus des pays dont nos métaux congolais, nos coltan, nos cobalt, tout ce qui est produit au Congo trône dans les marchés de Londres en faveur de certains pays limitrophes. Mais nous-mêmes, les propriétaires de terres, de sols et de sous-sols, nous sommes des pauvres, messieurs. Demandez au président de la République qui me confie ces choses. Je vais lui rendre ce service. Tous les vautours, les Égyptiens qui sont en train de plier le peuple congolais, vous serez tous en sécurité. Et moi, je vais demander à la maison de presse, payer correctement les journalistes. Pour que les journalistes ne poussent pas, on lui donne 200 dollars ou 2000 dollars ou tout ça, va critiquer et gratuitement, en oubliant la technologie journalistique. Je suis éditeur de journal, mais je n'ai jamais fait ça et j'en ferai jamais. Alors, les 59 ans d'indépendance seront corrigés maintenant à partir de Félix. Parce qu'il a pris le pouvoir
auprès du détenteur du souverain primaire. Il a pris le pouvoir par la Cour constitutionnelle. Il a pris le pouvoir auprès de notre peuple. Et il a calmé les jeux. Il a tout supporté, des menaces, des injures. Nous l'appuyons. Il a tenu tout le monde ici, les pieds dans. Moi qui ai souhaité de construire quelque chose pour qu'il puisse se piétiner. Et en fait que ça, nous allons coiffer tout le monde, mais dans la paix, dans la tranquillité. Tout le monde trouvera son compte dans la bonne gestion de Félix. Dernière question, ça c'est une question précise. Ah, je suis content. D'un téléspectateur, oui. Pourquoi l'effigie de Félix est-il et oui, il y a eu un problème. Je ne sais pas si qui, les gens sont venus déchirer ça la nuit. Et pendant les vents, la pluie, cette effigie est déchirée, on a déchiré les choses de l'État. Mais je n'ai pas l'argent, c'est bien les 3 000 dollars, j'entends. J'entends dissipé, je vais remettre ça. Ça, c'était ma place. Maintenant, j'ai remis ça à Félix jusqu'à pendant 5 ans. Il va tourner d'ici, même la semaine prochaine, vous allez revoir ça là. Donc, je n'avais pas l'argent, et la pluie, et je ne sais pas, les combinats ont venu des trucs pour me créer des problèmes. Oh, moi, il n'y a pas qui est fixé d'ailleurs, mais non. Dieu seul sait, je suis juste. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Et je ne vous autorise pas. Je serai avec Félix pendant 5 ans. Qui me donne ce que je demande, qui ne me donne pas, je vais le soutenir. Parce que c'est la fin de mon vie. Vous comprenez? Quand on aime le père, on doit aimer aussi. On doit aimer aussi le fils. Comment c'est bien en Lingala? Merci beaucoup, Gabriel Moquet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Il fallait apporter l'éclairage à la population congolaise, à la population kinoise, à tous nos téléspectateurs par rapport à ce qui est arrivé et qui faisait couler en crise. Je pense que vous avez...